sauter au barcelon. Attention, avec caméra. Ah ouais. Ah ouais, j'avais pas vu qu'elle était là. Ah ouais, salut. Ah, mais... Bonjour Vincent, bonjour. Ah mais vous savez quoi en fait, on va faire un autre truc avant que je vous dise. En fait je prends plein de notes et je vais regarder. Sauf qu'il est tout seul. Pas de relations sociales. Voilà, les relations sociales, l'hygiène, ça c'est des choses qui viennent très loin. Et alors qu'est-ce que ça donne ce petit feu là? Il part ou pas? Ouais, je crois que ça se voit pas tourner. Ouais mais ça a l'air de partir, ça a l'air. Hein. Ouais ouais. Peut-être souffler un peu pour le faire. Ouais, ouais, ouais. J'aurais mis dans le sac si j'avais eu la porte, mais ce matin c'était un peu. Là, ce que je vais faire, c'est je vais faire sortir de l'essence qui va être liquide là. Ici, vous allez la voir sortir gicler légèrement. Alors, j'ouvre déjà mon premier robinet. J'ouvre le deuxième robinet. Regardez ici, ça gicle. Ça gicle pas. Ça gicle. Voilà. Ah oui, oui. Ok. Hop. Ah oui, salut. Une fois que j'ai giclé, j'ai de l'essence, j'ai fermé. Donc là, on est sur une flamme froide, pas très efficace, qui n'est pas très contrôlée non plus. Ça, c'est la phase dangereuse, en fait, parce que potentiellement, j'ai mis très d'essence, je vais avoir un mètre de flamme. Donc ça, c'est des trucs à faire pas dans la tente. Là, vous voyez que la flamme, elle devient un peu bleue. J'en mets un petit coup de jus. Puis ça chauffe. Ça chauffe. Est-ce que tu as pris ton tuba? Alors quand on ouvre, ça, je mets un peu ma tête en arrière. Hein. Et là je vais rouvrir, je vais voir si ça sort en liquide ou en solide. Voilà, là on est en gaz. Là, là je mets ma casserole dessus. Alors ouais, là il y a encore de l'essence liquide qui est en train de cramer, mais c'est en gazeux, donc ça sort, c'est gazeux. Donc là c'est bon, c'est efficace. Là j'en vois pas. D'accord ? Et puis à un moment, là, le truc c'est, ce que je ne vous ai pas expliqué, c'est la fin. Je peux chauffer mon eau, machin, mais ce que je veux c'est supprimer l'essence liquide là-dedans. Je tourne la bouteille. Regardez, là je suis en haut, là je suis en bas. Voyez-le. En fait, mon tuyau, il pointe vers le haut. Donc là, il n'y a plus d'essence liquide. Je tourne un peu. Et au bout d'un moment, il ne va plus y avoir d'essence. Il va se fermer tout seul. Si je l'éteins là, je vais avoir de l'essence liquide un peu partout. C'est pas génial. Super. Ça va s'arrêter tout seul. Ouais. C'est un peu moins flexible que du gaz. C'est pas j'allume, j'éteins. En même temps, vous avez vu, c'est super long. On a l'habitude. Ça, potentiellement, tu peux calmer. Allez les filles, on est tous ensemble là. Ouais. C'est pas tout là, sur nous là. Ouais, si, là, regarde, tu vois, on est dessus là. Oui. On est contents, on aime la neige. Allez, Oust, allez, avancez. Allez, avancez, avancez. Les voisins sont venus.
Alors Vincent, tes appréhensions, tes impressions avant de partir dans la neige là ? Ah écoute, bon ça va, je suis plutôt confiant avec tes petits cours juste avant, ça va bien se passer. Moi vous dites que vous n'aurez pas droit aux cours cette nuit, donc vous serez tranquille, c'est ça ? Ouais, ça marche, super. C'est plutôt l'excitation. Alors, tes impressions là ? On a peur. C'est vrai ? Ouais, un petit peu quand même. Hein. Ah, la météo est pas terrible. Hein, un peu crois. De trac, bah tu rigoles, il fait beau là. T'as vu la neige ? Ouais. C'est top. Un petit peu le trac, c'est super important. Ah ouais, le jour où t'as plus le trac, tu commences à faire des conneries. Hein. Ouais, un peu concentré quand même pour cette nuit. Hein. C'est bien, c'est très bien. Continuez comme ça. Ouais. Et toi, Eric ? Super. Ouais, jusqu'ici, oh, tout va bien. La neige. Alors, salut. Tes impressions là. Ah bah là, c'est amazing. It's amazing. Amazing. Ouais. C'est... Bon, pas trop le track. Pas trop. Le track. Le track. Ah bah non, le track. Le track pas du tout. Hein. On est là, on est dans la neige, on est bien. Ah, les filles, c'est des warriors quand même. C'est ça. On cherche le loup. On cherche le loup. Vous avez pas vu le loup encore? On attend que tu nous montes. Attends, oh bah. On cherche le grand méchant loup pour Gatti. Ouais, écoute, elle va le voir la semaine prochaine. Ça oh sera non. Bon, allez. Et du coup, t'es toute seule, toi ? Ouais. Ça te va ? Ouais, ça me va. Alors, qu'est-ce que t'en penses de tout ça ? Bah, je me dis que c'est pas mal, c'est cosy. Et qu'est-ce qui va se passer cette nuit, donc ? Ce qui va se passer cette nuit, c'est que je vais pas avoir trop de neige, je vais être abritée par les arbres. Ouais. Donc. Tu vas avoir 15 cm au lieu des 40, quoi. Hein ? Tu vas avoir 15 cm au lieu des 40. Donc, je peux faire assez bas pour essayer de. Pour essayer de. Bah, que ça s'accumule pas. Voilà, je fais pas trop, mais là, je peux faire. Ah là là, vous êtes trop belle si là-dedans. Je sais pas si vous allez nous aimer ou nous détester. Ouais, non, demain c'est le concours t-shirt mouillé. Hein. Ok. C'est très poil, hein. On verra demain matin, mais pour le moment. Ah yeah. On va caler les. Oh, c'est énorme. On va caler les sacs au fond pour boucher, pour sur la couverture pour vous du coup. Ouais. Presque oui. Rentré debout. Ouais, c'est vrai que pour enlever vos fringues, ça sera plus facile ce soir. Hein. Ouais. C'est pas mal. Ok. Bon, on sera peut-être un peu exposé au vent. Voilà, et vous montez votre chez vous ? Allez, viens. Allez, hop, on fait une visite. Ouais, ouais. Attention, allez, vas-y, vas-y, monsieur dame. Ouais, t'inquiète, bon. Vas-y, lâche. Ah, votre cabane est au fond des bois, en fait. Tiens, si tu veux... Il y a une question, Vincent. Ça, c'est la moitié. Ah là là, c'est royal ça. Et on pourra fermer ici avec une couverture de survie. Ouais. Ok, comment vous l'accrochez votre couverture de survie ? On va la glisser ici dans un œillet et puis certainement coincer au, okay. Au coin. Ça marche. On peut essayer d'ailleurs. Ouais. On va se réunir, on va se retrouver tous ensemble pour voir un peu les montages des uns des autres et puis en discuter. Ici c'est la... On va le mettre après. C'est le bivouac en amoureux collé serré. Alors, vous allongez dedans les mecs, on voit ce que ça donne. Eric ? Ah, faut qu'on se mette dedans. Eric, on voit ce que ça donne. Non, mais. Eric et Vivien. Vous vous mettez dans votre abri, qu'on voit ce que ça donne. Si vous voulez, si. Non, non. Ok. On va dormir dedans. Avec la cabane qu'on avait repérée en amoureux.
tous vous êtes. Non, mais c'est tranquille. Vous dormir dedans. C'est pas une cabane juste pour regarder de l'extérieur. Vous dormez à deux dedans? Ouais, c'est ça, je t'aime mais pas trop quand même. Ah ouais, ça va être... Ah, en tête bêche, c'est tout. Ah, les coquins. Ah, la nuit va être... Peut-être pas ces gars sur le matinée du sol. Ouais, mais après ça, bon, pour moi, ça, la tête en l'air, tu te mets des trucs en dessous de la tête. Allonge-toi dedans et puis ouais. Tu vas voir... Ouais, bah, il faut qu'on soit à deux. Vous pensez comment? On était comme ça là. Non, ça c'est Vincent, c'est Vincent qui prend les stagiaires pour faire la bouffe. Bon. Moi je fais la bouffe aux stagiaires. Bah en même temps, on a, on a toujours fait la bouffe à deux. C'est vrai. Il y a des noix, du parmesan, du pesto. Ah, des fois, c'est un peu... Délicieux. J'ai un couteau et j'ai une... Est-ce que j'ai une cuillère avec? T'as pas de cuillère? Tu veux manger avec un couteau? Ah ouais. Attends, si ça peut faire, si ça arrive, je vais si ça peut faire, parce qu'il est large, parce que vu l'épaisseur de la polenta, ça va super bien. Parfait. Oh, Toto, ça c'est la polenta, hein. Ouais. Il y en a, hein. Mais c'est bon, ouais. Franchement, ça va. C'est bon, c'est bon. Peut-être en tout cas. Ouais. T'en veux? Non, c'est gentil, c'est gentil. C'est sûr. Parce qu'il y a de quoi faire, hein. Tomates séchées dedans. Tomates séchées, champignons. Champignons, vous avez sorti d'où? D'un ziploc. Mais en séché? Non, en conserve. D'accord, conserve, mais en zip. Sel, du poivre, de l'huile. Ah ouais, super, ouais, très ouais, bien. C'est bien. Bravo. Alors, ça donne des idées, tout ça. Moi, je fais la commère de... Alors, par ici, c'est ça. Mais alors, et vous, qu'est-ce que vous mangez de bon? Bah là, c'est le dessert. Hein. C'est le dessert. Ah oui, chocolat, c'est bien. Tu veux un bout de chocolat? C'est la base. Non, c'est gentil. C'est gentil, mais je suis encore en saucisson. Yann-Li, ça roule? Tranquille. Il chauffe ton réchaud, là? Il a fini de chauffer. Mais t'as pas de flamme en dessous, hein? Quoi? T'as plus de flamme en dessous? Non, mais il a fini. D'accord, il a fini. Ça marche. Il commence à pas faire très chaud, quand même. Hein. Bah ouais, bah, il fait même un peu frais. Hein. Mais bon, courageux, donc... Ouais. Ah ouais. Ah mais ça va aller, ça va aller. Non, là on a des beaux, on a des bien beaux abris. Hein. Ah ça valait la peine de. C'est dingue ce qu'on peut faire avec une bâche et deux bâtons. On a mis combien par rapport à ta tête? Je regarde quand même. Pas si c'est bon, fais gaffe. Ouais, ça va. C'est bon. Petite soupe. Ah oui, on peut mettre des petites cacahuètes dedans. Une soupe à la cacahuète. Soupe à cacahuètes. Ouais. Allez, go. C'est bon. Globalement, c'est la montagne. Soupe au thé déjà. C'est du thé qu'on a. La montagne et l'hiver, ça permet tout. Toutes les alliances. Allez, tiens. Soupe aux cacahuètes. On sert dans les deux. Ce sera le petit côté taille de votre soupe au poireau. Le petit côté taille, ouais. Soupe au poireau. Non, on va voir qui mange. Ah là là, qu'est-ce qu'on sera mieux au chaud demain? Tout à fait. Par contre, on pourrait... Non, on est bien. Faut qu'on recrute pour le mois de septembre. Oui. Ah oui. Voilà, si ça vous dit de venir en chartreuse avec nous. Vous n'êtes pas payé, mais vous êtes nourri, logé en hôtel. Ouh, en chartreuse en plus. Et avec nous. Mais avec nous. Ah, mais très bien. Non, là, il va falloir nous payer, les gars. À un moment donné... Tu fais un selfie?
s'arrête pas. Salut. Ouais. L'après-midi, je me mettais la terre au carré. Et je fais trop en fait mes journées parce que la carte est sur la cabane. Quoi. Ouais, ouais, elle y est sur la carte de la cabane. Ouais, bah voilà, bah c'est. 1086. Oula, casse pas les arbres. Non, mais il a pas posé. Ah oui, il a plus posé. Non, elle est pas morte. Ah, ça bouge, c'est bon signe. Hein. Salut. Oh, il y a déjà un sac qui est prêt à partir, dit-elle. Ça va, vous n'êtes pas toute nue? Non. Ah bah mince, bah, je reviendrai plus tard alors. Ça va? Ça va. Bon. Allez, prenez le temps de vous déjeuner. Vous pouvez laisser des affaires ici, en fait, juste ouais. Protéger. Et puis, allez, on va aller déjeuner. C'est cool ça. Ouais. Hein. Cool. C'est cool. Il y a les croissants qui vous attendent. Ah, c'était des pains chauds pour vous, merde. Et c'est où? C'est dedans? Ouais. Ah. Vous pouvez laisser vos affaires ici, protéger de la neige et puis. On démonte après. Ouais, on démonte après. Ok. Allez. A tout de suite. Ah, vas-y, je t'écoute. Une pomme chaque matin éloigne le médecin. Du pèlerin. Le pèlerin. Enfin, éloigne le pèlerin du médecin. Ah, c'est trop la classe comme il fait beau. Manger des pommes, c'est trop gnon. Ah, j'ai pas dormi. De vivant là-dedans. Ça va les jeunes? Il y en a deux. Ah cool. Ah bah en plus bah, on a une vidéo réveillée. Oh. Le droit à l'image là. Ah mais il n'y a pas de problème, t'as ton droit. Ah j'ai mon droit. Puis nous on a notre gauche. T'as juste le droit. Hello Eric. Salut. Ça va? Oh t'as de la buée dis donc. C'est quoi ce brouillard? Bon, bonjour à vous. Il est bien, il est ravi. Ah, il a l'air d'être vivant, ça bouge. Ça va? Ça va. Ouais. Bon, cool. Vous pouvez laisser vos affaires ici, il y a les croissants qui vous attendent. Ah ouais, c'est grâce mat là en fait. Hein. Salut les filles. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Bon, il y a les croissants, le café qui vous attendent si vous voulez. Tranquillou, hein, prenez votre temps. On laisse nos affaires vous ici. Vous pouvez laisser vos affaires ici, ouais. Il y a des
Tu les as pris ce matin, là, à 4h, au réveil. T'as allé chercher ? Bah, oui. C'est pas loin, en fait. Ça va pour une heure à descendre. Allez, je mets quoi ? Voilà, j'ai 1h15 à remonter. Quel courage. Il ment. Simon, tu vends bien, en plus. Ça ira. Ah, pour vous, qu'est-ce que je ne ferai pas ? Je ne ferai pas. C'est beau. Il a appelé le PGHM. Bon, t'apprendras à ton alcoolique là, de fermer les tarpes des autres quand ils se filent dedans. Ouais, ouais. Hein ? Sous moi, la neige ce matin au réveil dans la gueule. Vous voyez une main sympathique. J'y croyais pas, par exemple. Tu n'avais pas confiance en moi, on ne se connaît pas trop en fait. Ah, attends, mais pas filmé là. Non, c'est rien, tu fais comme si j'étais pas là. Voilà. C'est bon matin. Vous avez dormi vous quand même ? Ouais, j'ai dormi tellement que j'ai loupé mon tour à un moment. Tu vois ? Moi j'entends Guillaume, je dis oh putain merde, je crois que je me suis pas levé. Oups. Ah ouais ? Et après t'as galéré à te rendormir ? Non, mais je pensais que de m'endormir, me réveiller, m'endormir par 2 heures en fait. Ça sert à rien. Non, j'ai pas eu froid, ni rien. À la fin, je me dis, attends, peut-être qu'il y a... Voilà, c'est qu'il fait beau dehors. Hein. Et c'est au chocolat. Super. C'est toi qui tremble ou tu tremble ? Ouais, c'est moi. Merci. À court, en général, tu rêves beaucoup. C'est-à-dire que tu rêves beaucoup, mais tu as des petites phases de sommeil. Ah oui, c'est ça. Ah, super, passionnant. Génial. C'est hyper intrusif, quand même. Non, mais je suis me taire. Sur le sommeil profond. Ouais, c'est génial. Au réveil, comme ça, Bon, on s'appelle pour la crème, hein. Vous serez chez quel médecin, on dirait que c'est une vraie qui est meilleure médoc. Mais c'est un mythe, ça, on n'attrape pas froid avec. Non, mais non, on attrape, on ne devient pas malade. C'est vrai ? Non, aucune raison. Il n'y a aucune raison qu'on soit malade. Ça change les sensations. La dernière fois que j'ai fait un sauna, je me suis mis dans la neige. Ça rajoute quand même une bonne couche, hein. On est d'accord ? Alors. Ah oui. Qui c'est qui a des t-shirts techniques ? C'est technique ton truc ? C'est coton ? Ah, c'est bon ça. C'est technique ? Ah, c'est coton. Bon, après, on peut essayer aussi avec le t-shirt technique. Ouais, bravo. Donc, alors, qui c'est qui s'attendait à faire un concours de Miss T-shirt mouillé en plein Vercors, en plein hiver ? Bah, on savait que tu nous avais. J'ai été spoilé, moi. Ah, t'as vu, hein ? Loin des cons, mais près du froid. Hein. Ah, mais ça va, en fait, parce que la chaudière, si elle a bien marché. Ah, bah, vous allez la chauffer. Alors. Ouais, aussi, regardez comme le moment il nous fait un petit coucou, là. Oh, purée. Alors, Maurice, il aurait dit, ça compte pas, ils ont gardé le pantalon. Merci, Momo, pour ça. Bon, allez, ça c'est collector. J'arrive pas à mouiller mon t-shirt. Ça me saoule. C'est gonflant quoi. Non, mais le mérinos en fait ça prend pas l'eau. Ça accroche pas l'eau quoi. Bah ouais, pas du tout. Ouais. Bah, il faudrait avoir de l'eau liquide. C'est une mérinos. Vous êtes super fort. Non, ça marche quoi. Je suis super fier de vous. J'aime trop quand les gens ils me suivent dans mes délires. On a payé pour ça, hein. On a pas le choix. Ouais, c'est vrai. Ah si, non, t'as vu le choix de pas payer. Merci. On me le fera payer, c'est ça ? Dis le gars qui revient chaque année. C'est ça. T'as mis de la neige dans ta parka, toi ? J'ai cru que t'avais mis de la neige dans la chapka. Ah non, quand même. Allez, la tête dans la casserole. Et moi, après, ah non, mais vraiment, moi, c'est les mains là où je sens que je suis congelée. Ouais, mais alors, qui faisait quand ça a mal tourné ? Ouais. Alors, Vivien, t'as chaud ? Ah non, c'est pas Vivien, ça ? C'est qui, ça ? Vincent. Ah non, c'est Eric. Vincent.
C'est efficace, Emmanuel. T'as chaud, Emmanuel, ça va? Je sais pas, un peu. Ouais, je pense que c'est pas mal. Hein. Alors, vous avez allumé vos briquets? Ouais. Tiens, vous allumez vos briquets. Voilà, tu vois la chaleur elle part par là. Moi je sens un assez plus chaud. Ah, mais juste le visage. Si tu fermes un petit peu là, tu peux garder ta chaleur. Moi j'arrive pas là, complètement la fermer, c'est pas grave, c'est en bas de l'air. Peins surtout en haut, c'est la chaleur que ça. Tu peux même en fait la mettre, là tu vois, t'as mis la longueur. Tu mets pas au contact quand même. La secte du temple solaire. Ça marche bien. Mais bon, tu restes pas comme ça longtemps. Alors, ça chauffe ou ça chauffe pas? Ouais, avec la... Là, on est quand même vachement plus... Là, vous avez pas le briquet. Ça sert à rien du tout. Ça, c'est quand même... Ça fait goût du coup. Ouais. Ouais. On joue à quoi, la team orange? Vous dites quoi, là? Vous êtes prêts ou pas? Yeah. Chifoumi! Il y a la team... Chifoumi! Il y a la team... Vous êtes prêts? Non, non, vous sortez les membres. Ah, attention, attention, avec attention! Avec nous, avec nous, avec nous! Qu'est-ce qu'on crie? Ouais, ça et en fait, on est sur la vidéo là! Hey, ouais, qu'on veut. Ouais, allez, ouais! C'est une vidéo! Le premier qui touche la J'étais déjà pas mal équipée.